Bonjour, je suis Chérine du studio Kiné Pilates et je vous propose aujourd'hui un exercice pour renforcer les fessiers et les ischio-jambiers afin de détendre le bas du dos. Installez-vous confortablement sur le dos, les deux pieds à la largeur de votre bassin bien à plat, les chevilles alignées aux genoux. Pour détendre vos épaules, je vous conseille d'ouvrir les paumes de main vers le ciel et d'écarter légèrement vos mains de votre corps. On va soulever directement le bassin vers le haut sans articuler la colonne. Restez pour une inspiration et déposez le bassin directement vers le bas sans articuler la colonne. Poussez dans vos pieds pour lever le bassin en expirant. Inspirez, restez. Et expirez pour déposer votre bassin. C'est comme un levier qu'on soulève directement vers le haut et qu'on dépose délicatement directement vers le bas. Utilisez tous vos orteils ainsi que le centre de vos talons pour pousser dans le sol. Évitez les tensions dans le cou, dans les bras ou dans les épaules. Relevez encore une fois. Gardez la position et levez le talon du pied gauche. Puis poussez-le fermement dans le sol sans relever les orteils. Alternez. Faites en sorte en soulevant le talon de ne pas bouger le bassin. Utilisez la contraction abdominale et concentrez-vous pour que le bassin ne parte pas vers le bas et ne se décale pas. Utilisez bien vos pieds en soulevant directement le talon vers le bas et poussant directement le talon vers le plancher, comme si vous enfonciez une aiguille dans le sol. Faites en sorte que votre talon reste bien en place et bien aligné sans décaler votre cheville. Inspirez pour relever et expirez pour déposer directement le bassin dans le sol. Rapprochez légèrement vos deux talons et levez directement le bassin vers le ciel. On va lever les deux talons ensemble, maintenant bien le bassin, et contracter et décontracter légèrement les fessiers. Attention que le travail ne se fasse pas à partir du dos, mais bien à partir des fessiers. Le mouvement n'est pas un grand mouvement, mais c'est comme si on ramenait le pubis vers le nombril et qu'on décontractait les fessiers. Les talons, eux, ne bougent pas, ils restent vers le haut. Encore deux répétitions, puis posez les talons directement vers le bas et prenez le temps de déposer le bassin directement. Vous pouvez refaire cet exercice deux ou trois répétitions. Merci et à bientôt.